Bonjour tout le monde et bienvenue dans le défi 86. On est à la 52e ou 53e, je ne sais plus. En tout cas, vidéo du défi 86 aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'accorder de l'amour? On parlait hier de l'amour inconditionnel. C'est quoi de l'amour inconditionnel? Et ce qui venait sur le tapis, c'est ça. C'est comment ça se fait que c'est si difficile de s'accorder à soi cet amour-là? Et je dirais que c'est parce qu'on est pris dans cette notion de bien et de mal. Et l'âme, en quelque sorte, là, l'âme, on a trois corps, cœur, corps, esprit, mais l'âme ne fait pas cette notion de bien et de mal. Okay? C'est ce qui est bien pour moi, ce qui me fait du bien ou ce qui me fait du mal. Hein? C'est ça le bien, le mal. Mais nous autres, on a transformé ça, l'humain a transformé ça mentalement, hein, cœur, corps, esprit. Fait que l'esprit a transformé ça en c'est bien et c'est pas bien. C'est bien ou c'est mal. Fait qu'une notion de jugement de valeur plutôt que de ressenti. Et c'est dans cet aspect-là où on s'accepte pas, où on a de la difficulté à s'accorder de l'amour. C'est dans tous nos côtés qu'on juge de mal, de sombre, de moins agréable. Fait que, tu sais, si, je sais pas, moi, mettons que je suis une personne jalouse, bon, ou que je suis une personne colérique, c'est très mal vu par la société d'être jaloux, d'être colérique, hein? Bon, mais quand je vis de la colère, ça fait mal à l'intérieur. Fait que ça, c'est le mal. Mais c'est pas bien ou mal, c'est une réaction qui me détruit. C'est un comportement qui fait du mal à l'âme, donc au corps aussi, parce que c'est transposé dans le corps. Et j'ai de la difficulté à m'accepter quand je suis dans cet état-là, quand je fais ça, de me pardonner, de m'accueillir dans ce côté-là. Et moins je l'accepte, plus ça se reproduit. Parce que tant que je ne l'accepterai pas, que j'en prendrai pas la responsabilité, ça va toujours revenir, mais sans que j'en aie vraiment conscience ni le contrôle. Fait que la jalousie, c'est ça aussi. Fait que toutes les émotions que ou toutes les choses qu'on peut juger de mal, c'est un jugement de valeur. C'est regardez ça sous un autre angle. C'est qu'est-ce qui me fait du bien à moi ou qu'est-ce qui me fait du mal? Et quand je me fais du bien, la seule chose que j'ai envie, c'est de faire le bien. Et quand je me fais du mal, la seule chose que je fais, c'est du mal. En fait, ça donne mal à quelque part à l'autre parce que c'est ce que j'envoie, c'est ce que je reçois, c'est ce que je reflète. Fait qu'il y a... On a dit à un moment donné, écoute, moi j'ai été élevée dans religion jusqu'au cou, là, que la notion de bien et de mal, j'ai été élevée là-dedans, tu sais. Fait que c'était... Ce qui était bien, c'était le sacrifice de soi. Tu sais, faire des sacrifices. Bien, faire des sacrifices, se sacrifier... Sacrifier ses besoins, ce n'est pas quelque chose de bien ou de mal. Qu'est-ce que ça me fait ici? Des fois, je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un choix que je vais faire où, entre les deux, je vais décider d'agir d'une certaine façon. Est-ce que ça me fait du bien? Si ça me nourrit, ça me fait du bien, alors c'est bien. Si... Au contraire, ce sacrifice-là me fait souffrir, mais je le fais parce que il faut, puis j'ai pas le choix, je veux me faire aimer. Ça me fait mal parce que je me rejette, je me renie, donc je m'accorde pas cet amour-là à moi-même. Fait que l'amour de soi, c'est dans le respect de ce que je suis. C'est dans le respect autant d'acceptation de mon côté sombre que mon côté lumière. Et de me pardonner ça, d'accueillir ça avec douceur. Puis m'aimer, ben c'est
c'est faire de l'espace à mes besoins, à ce qui est bon pour moi. Faire cet espace-là pour moi, de m'y autoriser. Parce que quand je me juge de mal, je vais m'auto-punir. Fait que je vais me faire du mal. Voyez-vous comment est-ce qu'on est mal pris, là? On rentre dans un tourbillon où c'est carrément insatisfaisant. Fait que s'accorder de l'amour, pourquoi on a tant de difficultés à s'accorder de l'amour? Ben, selon moi, c'est ça. C'est à cause de cette notion de bien et de mal. Fait que accordez-vous le droit de sortir de ce jugement-là et de transposer cette notion de bien et de mal à est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Et c'est toujours ce que ça va projeter. C'est toujours ce que ça va projeter. Fait qu'à place de prendre ça sous l'angle de « Oups, ça a fait du mal à quelqu'un », c'est « Qu'est-ce que j'ai fait pour moi là-dedans? » Fait que si je m'accorde de l'amour, si j'accueille mon côté sombre, mon côté lumière, ça va baisser en fait de tension et d'intensité. Fait que je vais devenir beaucoup plus aimante, beaucoup plus accueillante, beaucoup plus tolérante. Fait que c'est du bien que je vais faire, mais du bien que je vais projeter. Fait que, et là, l'interprétation, le fait qu'on a de la difficulté, oh, un beau papillon, qu'on a de la difficulté à s'accorder cet amour à soi-même. Je ne sais pas si vous aimez cette mentalité, mais c'est cette philosophie qu'on a dans le septième ciel. C'est le fil conducteur. On prend en considération qu'on a cœur, corps, esprit, qu'on habite ces trois états-là et que les trois doivent cohabiter en cohérence. Parce que quand que on est mal, quand on se sent mal, c'est parce qu'il y a justement incohérence entre ces trois-là. Ça, c'est la philosophie du septième ciel. C'est la philosophie de comment retrouver la reconnexion à soi par le plaisir des sens. L'expérience vous tente, vous avez envie de vivre le septième ciel, de retoucher à cette connexion à soi, d'être accompagné dans ce voyage-là, autant par moi que par des professionnels tout au long de ce voyage-là, qui peut durer 7 mois ou aussi longtemps que vous voulez, écrivez-moi un message privé. OK? J'ai mis les liens en dessous, vous allez voir au webinaire, vous voulez passer un appel avec moi, prendre un rendez-vous, c'est toujours plus facile parce que sinon c'est difficile de gérer un horaire quand il y a plusieurs personnes qui t'écrivent en même temps. Puis c'est risqué de faire des erreurs de conversation comme j'ai fait tantôt. J'écrivais à un, puis finalement j'ai mis ça sur le pause de l'autre. Fait que c'est le risque de faire des erreurs comme ça. Fait que si vous passez un appel, je vais vous consacrer un bon 45 minutes à une heure juste pour vous, où on va jaser de ce que vous vivez présentement, de voir comment ça pourrait s'appliquer à vous, si ça s'applique ou non. Fait que c'est beaucoup plus convivial. Et vous avez aussi le lien pour aller voir comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et les coûts et tout ça. Fait que si vous voulez avoir l'information, tout est là, tout est en dessous. Fait que je vous laisse aller visiter le 7e ciel pour vivre le 7e ciel. Sur ce, moi je vous dis bye et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!